Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les techniques de couture spéciale de la machine Expression 720 en décorant un morceau de tissu à plier façon furoshiki. Le furoshiki est une technique de pliage japonais. On utilise un tissu servant à emballer et transporter des biens ou des cadeaux en le pliant ou le nouant de manière créative. Nous allons décorer notre tissu à l'aide de 3 des 5 techniques de couture disponibles sur la machine Expression 720. Le point de ruban simple, le point superposé et le point flottant. À tout moment et pour chacune des techniques illustrées lors de ce tutoriel, vous pouvez utiliser la touche point d'interrogation afin d'afficher à l'écran le tutoriel du point sélectionné. De même, pour tous les points, nous vous conseillons d'utiliser un entoilage à l'arrière de votre tissu. Vous pouvez utiliser un entoilage thermocollant ou simplement un entoilage déchirable que vous glisserez sous votre tissu. Le point superposé est une décoration en 2 couleurs, composée de paires de points assortis, se superposant. Vous aurez besoin de 2 fils à broder pour le réaliser. Dans un premier temps, sélectionnez votre point superposé. Allez dans le menu principal de la machine, puis dans la catégorie 8 techniques, et enfin dans la catégorie 8.2, les points superposés. Vous avez 6 types de points disponibles dans les points superposés. Sélectionnez tout d'abord le premier point parmi les duos. Au préalable, marquez le début de votre frise à l'aide d'un stylo effaçable. Retirez l'IDT, puis installez le pied presseur numéro 8. Il est temps de passer à la couture. Alignez correctement votre marquage en forme de croix avec le centre de votre pied presseur, puis utilisez votre pédale ou le bouton marche de la machine à coudre. Sélectionnez maintenant la deuxième partie de votre frise, changez votre fil ainsi que votre canette, puis alignez le début de votre point avec votre marquage. Le point de ruban simple permet d'apporter une touche dimensionnelle à vos points grâce à l'ajout d'un ruban. Ce point peut être réalisé avec un ruban, deux rubans ou trois rubans à la manière d'une tresse. Vous aurez besoin d'un fil à coudre ou à broder, ainsi qu'un morceau de ruban. Dans un premier temps, sélectionnez le point ruban. Dans le menu principal de la machine, allez dans « Technique » numéro 8, puis « Point de ruban » 8.1. Enfin, sélectionnez un point de ruban simple. Les points de ruban simples vont de 1 jusqu'à 6. Installez ensuite votre pied 2A, IDT toujours relevé, votre fil, ainsi qu'une canette de fil polyester. Enfin, n'oubliez pas de placer un entoilage sous votre tissu ou d'entoiler directement votre tissu à l'aide d'un entoilage thermocollant. Dans un premier temps, activez l'aiguille en position basse. Cousez la première partie du point et continuez jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement. Placez le ruban devant l'aiguille en parallèle de la première couture. Cousez jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement. Pliez le ruban sur la couture afin de le placer devant l'aiguille. Continuez à coudre jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement, puis répétez l'opération autant que nécessaire.
Le point flottant permet de créer un effet spécial, rendant invisibles les points de connexion. Le point semble flotter. Vous aurez besoin d'un morceau d'entoilage et de fil à broder. Pliez votre tissu endroit contre endroit et placez l'entoilage dessous. Retournez dans le menu principal de la machine. Toujours catégorie 8, puis 8.3, les points flottants. Vous avez 10 types de points flottants différents. Sélectionnez celui qui vous convient. Insérez ensuite le pied 1A et replacez l'IDT. Commencez à coudre sur le pli du tissu. Votre pied de biche doit se trouver à cheval entre le tissu plié et la bande d'entoilage. À la fin de la couture, dépliez le tissu en tirant légèrement pour mettre le point à plat et découvrir l'effet flottant. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel avec nous. Et retrouvez plus d'informations et de conseils chez votre revendeur agréé.